Nous sommes ici sur l'artère la plus commerçante de Shanghai. Avec moi, j'ai mon portefeuille, mais à l'intérieur, je n'ai pas d'argent liquide car je n'en ai jamais besoin. J'ai également ma carte de crédit, mais elle non plus, je ne m'en sers jamais car ici à Shanghai, comme partout ailleurs dans le reste de la Chine, mon téléphone portable suffit pour payer mes achats. Le paiement mobile s'est tellement imposé dans le pays que, d'après certains experts, l'argent liquide pourrait avoir totalement disparu en Chine d'ici 2030. À Shanghai, les consommateurs n'y voient que des avantages. C'est plus pratique et plus rapide. Grâce à ça, on n'a plus besoin d'avoir de l'argent liquide, ni même de prendre un porte-monnaie. Moi, ça fait au moins 2 mois que je n'ai pas retiré d'argent liquide. Il n'y a plus que les étrangers et les personnes âgées qui payent avec du cash. Avec le portable, ils ne savent pas faire. Petits vendeurs, échoppes de rue, grandes enseignes internationales. En Chine, tous les commerces proposent le paiement mobile. Il est même entré dans les temples. Cette machine rouge distribue de l'encens que les fidèles achètent avec leur téléphone portable. Dans les grandes villes, pour payer son trajet en métro ou en taxi, plus besoin non plus d'argent liquide. En Chine, le paiement mobile peut prendre deux formes. Soit je scanne ce code QR mis à disposition par le vendeur, soit c'est le vendeur qui scanne ce code situé sur mon téléphone portable. Dans les deux cas, l'argent sort directement de mon compte en banque pour aller sur celui du commerçant. Madame, ça ne vous dérange pas que votre téléphone portable contienne autant de données personnelles, qu'il sache ce que vous achetez, quand vous l'achetez et où vous l'achetez ? Non, pas du tout. Tout le monde utilise ce système. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu aucun problème. Je ne pense pas qu'il y ait de risque. C'est très pratique et on n'a plus besoin de transporter de l'argent liquide partout. Et c'est très sûr. Dans ce petit supermarché très prisé des Shanghaïens, on ne peut même pas payer avec de l'argent liquide. Et il n'y a pas besoin de vendeur, car ici, on scanne soi-même les produits qu'on souhaite acheter avec son téléphone. Zheng Cai, un Shanghaïen de 36 ans, vient faire ses courses ici pour la première fois et il n'a avec lui que son téléphone portable. Il est conquis. Je n'ai pas besoin de faire la queue, donc je n'attends pas. Je peux payer moi-même, c'est rapide et pratique. Est-ce que vous pensez que dans le futur, on trouvera de plus en plus de magasins comme celui-ci ? Bien sûr, la main-d'œuvre va coûter de plus en plus cher, donc le paiement automatique sans caissière va devenir de plus en plus populaire. Et est-ce que c'est une bonne chose ? Oui, car on ne perd plus de temps dans la file d'attente. Le seul problème qui pourrait se poser, c'est si le compte n'est pas vraiment sécurisé. Il peut y avoir des voleurs. En Chine, il y a deux applications qui se partagent le marché. WeChat du groupe Tencent et Alipay du groupe Alibaba. Deux mastodontes qui ne se contentent aujourd'hui plus seulement du paiement mobile. Ils veulent aussi développer le paiement par reconnaissance faciale. Dans ce supermarché, les visages ont remplacé les porte-monnaies et les portables. Cette cliente ne règle ses courses plus qu'avec la reconnaissance faciale. Madame, vous venez de payer avec votre visage. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très pratique. On ne se trompe jamais sur la somme que l'on doit donner puisqu'on n'a pas d'argent à sortir. Votre téléphone portable contient déjà énormément de vos données personnelles et maintenant votre visage, lui aussi, est enregistré. Ça ne vous pose pas de problème ? Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème. Ce système nous rend surtout la vie plus facile. Donc non, ça ne me gêne pas. Je ne me préoccupe pas de ça. Dans le pays, la population vit déjà sous le regard inquisiteur des caméras. Il y en a près de 200 millions en Chine. Une société sous surveillance qui repose aussi sur la reconnaissance faciale. Elle permet de traquer les criminels, mais aussi les dissidents. Depuis 14 ans, Ben Cavender analyse le marché chinois.
Pour lui, la reconnaissance faciale peut présenter des risques, mais cela ne semble pas préoccuper les consommateurs chinois. Alipay et Tencent aiment dire qu'ils travaillent indépendamment du gouvernement, qu'ils font des affaires, que leur objectif est de rendre les consommateurs heureux, parce que c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. La réalité, c'est que ces entreprises ont beaucoup de pouvoir aujourd'hui, parce qu'elles ont accès à énormément d'informations. D'un point de vue occidental, cela peut poser problème qu'une entreprise ait un tel pouvoir sur la société. Mais je pense que la réalité ici, c'est que les consommateurs, pour le moment, ne s'en soucient pas vraiment. Dans ce fast-food, le système de reconnaissance faciale développé par Alibaba porte un nom, Smile to Pay, souriez pour payer. Dans la Chine du futur, cela pourrait bien devenir un nouvel adage.